changer une phrase affirmative à une phrase négative. On a la première phrase, ou bien le premier cas. Clara supporte les piqûres. C'est une phrase comment? C'est une phrase déclarative qui se termine par un point. C'est une phrase simple qui commence par un sujet, puis un verbe et puis le COD complément d'objet direct. En même temps, on dit que c'est une phrase affirmative. Parce que quoi? Parce que j'affirme, je dis, j'insiste que Clara supporte les piqûres. Si je veux dire le contraire de cette phrase, donc je dois la mettre à la négation. Le contraire de cette phrase, c'est Clara ne supporte pas les piqûres. Et cette phrase affirmative redevient une phrase négative. Qu'est-ce que j'ai fait pour dire le contraire? Tout simplement, j'ai cherché le verbe dans cette phrase et j'ai mis « ne » avant le verbe « supporter » et pas après le verbe « supporte ». Et c'est fait. Donc, pour changer une phrase affirmative à une phrase négative, il suffit de chercher le verbe dans cette phrase et de mettre « ne » avant le verbe et pas après le verbe. C'est le premier cas. Dans d'autres cas, je vais faire autre chose. Dans le deuxième cas, par exemple, je vois tout. Je vois tout. C'est une phrase affirmative où j'affirme que je vois tout. Pour dire le contraire, je cherche le verbe et je mets « ne » avant le verbe, mais après le verbe. Je ne vais pas mettre pas parce que j'ai tout. Tout redevient rien dans une phrase négative. Je ne vois rien. Donc pour dire le contraire de tout, je vais mettre rien à la négation. Troisième cas, Clara rencontre quelqu'un. C'est une phrase affirmative où il y a quelqu'un. Pour dire le contraire, Clara ne rencontre personne. Donc, quelqu'un devient personne à la négation. Pour le quatrième cas, Clara tombe toujours. C'est la phrase affirmative. Et pour dire le contraire de cette phrase, je vais chercher toujours le verbe, c'est le verbe tombe, le verbe tomber au présent de l'indicatif. Donc je vais mettre ne avant le verbe, mais je ne vais pas mettre pas après le verbe, mais jamais. Pourquoi? Parce que j'ai toujours ici. Donc récapitulons, pour une phrase simple, je cherche le verbe et je l'encadre par ne pas. Mais pour une phrase où il y a par exemple tout, je vais mettre ne avant le verbe mais rien après le verbe. Pour une phrase où il y a quelqu'un, je vais mettre ne avant le verbe et personne après le verbe. Pour une phrase où il y a toujours, je vais mettre ne avant le verbe mais jamais. C'est la négation de toujours après le verbe.